Dear Berlinale guests, dear Berlinale viewers and followers, I am Carlo Chatrian, the Artistic Director of Berlin International Film Festival. I am with you for another Berlinale Meets. Today I have the pleasure to introduce to you the directors of the film Le Chêne, The Oak, Laurent Charbonnier and Michel Seydoux. Welcome, willkommen, bienvenue. Quand on a vu ce film, on a été très surpris parce que, et ça je pense, ce film nous ramène au plaisir primaire, primordial du cinéma, c'est-à-dire de nous amener dans des endroits qu'on ne connaît pas, le plaisir de la découverte. Donc la première question c'est plutôt sur les envies qui vous ont amené à faire ce film et à nous décrire un univers qui est proche mais en même temps très lointain, dans le tout petit ou dans un contexte qu'on ne regarde pas suffisamment. Je pense que ça vient de l'enfance. C'est nos émotions partagées, chacun de notre côté, mais dans une même région, à sentir les mêmes odeurs, à regarder les mêmes oiseaux, à avoir les mêmes émotions avec un coucher de soleil. C'est ces émotions toutes simples qui nous ont réunis au départ et qui ont fait d'ailleurs qu'on a passé 5 ans ensemble pour faire ce film. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est rencontrés avec Michel en 2017 et tout de suite, on a voulu choisir un beau chêne dans une très belle situation, dans des décors qu'on connaît, Michel et moi. Et c'est vrai que ce chêne a été sélectionné très, 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 très vite, en fait. Bon, on ne va pas parler de pandémie, mais en même temps, l'idée de montrer l'univers qui existe autour un arbre magnifique, mais il y a des arbres autour de nous, dans la ville et en dehors de la ville, c'est quelque chose aussi, je pense, d'important ou qui acquiert une valeur différente aujourd'hui. Je suis, comme vous avez dit, le projet est né bien avant la pandémie, mais je voulais aussi partager avec vous ce genre de réflexion, c'est-à-dire quelle est l'importance aujourd'hui d'amener un public qui est jeune, adulte, à connaître mieux la nature qui nous entoure. En aucun cas, on a voulu faire un film pour culpabiliser les gens. On a voulu donner envie aux gens de voir la forêt. Aujourd'hui, on a besoin de nature et le film a même une merveille parce que pendant la pandémie et en France, on a eu un confinement très strict. Laurent Charbonnier, dont la maison est à quelques centaines de mètres de l'arbre, pouvait y aller tous les jours. Et la forêt n'avait jamais été aussi calme. Il n'y avait pas un avion qui passait au-dessus, il n'y avait pas une tronçonneuse qui coupait un arbre, il n'y avait pas des bruits de chiens qui couraient après les animaux dans la forêt. Là, la forêt était extrêmement calme. Et d'ailleurs, ça donne des scènes totalement émouvantes où on se met nous-mêmes dans le calme. Donc la pandémie a même apporté un plus à l'émotion du film et à la pureté de la forêt sans aucune pollution. Laurent, pourquoi un chêne? Ou peut-être la question peut être aussi... Pouvez-vous nous raconter un peu le procès de casting du chêne? En fait, mon choix s'est porté sur un chêne parce que c'est un arbre que j'aime beaucoup. Les chênes souvent étaient coupés tous les 9 ans autrefois et ça devient souvent des trognards, des trognes avec des formes absolument incroyables, avec des trous et évidemment une biodiversité absolument très très riche. Et j'avais envie de faire un film avec un peu tous les habitants à tous les étages, depuis le sous-sol jusqu'au dernier étage. Et puis avec Michel, quand on s'est rencontrés en 2017, donc Michel souhaitait que ce soit aussi une histoire, et donc c'est pour ça qu'il y a eu un travail de scénarisation autour de ce film. À ce propos, le film est un documentaire, mais comme tout documentaire, il y a de la mise en scène. Il y a aussi, et ça c'est quelque chose dont je voulais vous demander une réflexion, aussi l'envie de jouer un peu avec les genres cinématographiques, parfois à l'aide de la musique, parfois avec le travail des images. Donc, c'est quelque chose. Comment cette idée est arrivée de faire hommage ou d'inclure les genres cinématographiques dans votre film? L'idée originale, c'est on a vraiment décidé tout à fait au début, Laurent et moi, de ne pas avoir de voix qui accompagne la plupart de tous les documentaires. Donc, l'immersion serait faite par la bande son. Et quand on tourne un documentaire, notamment naturel, et naturaliste, et qu'on passe des heures et des heures au pied d'un arbre, on ne peut pas enregistrer le son en même temps qu'on enregistre l'image. Donc on a été obligé de le créer
grâce à nos mémoires, grâce à nos ressentis, grâce à nos expériences, l'ambiance de la forêt. Et donc, nous l'avons créée en parlant de nos émotions. Et elles sont forcément, Laurent et moi, cinématographiques, puisqu'on a une expérience derrière nous d'avoir travaillé dans beaucoup de projets passionnants. Et donc, c'est cette espèce de rendu sonore qui va apporter le dialogue permanent entre la nature et le spectateur, sans aucune voix qu'il connaît normalement. Laurent, vous avez tourné aussi d'autres films qui ont les animaux comme personnages, comme un comédien, comme acteur. Je vais vous demander quelque chose peut-être de simple, mais aussi d'expliquer un peu comment est le travail dans ce genre de film. Il y a bien sûr une partie qui est amenée par la technologie, mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments qui entrent dans le champ. En fait, c'est assez simple. Ce qu'il faut dans notre métier, c'est souvent se lever très tôt, se coucher très tard et passer énormément de temps avec la caméra à attendre, à préparer, à observer. Et c'est vrai que tout ce travail se fait petit à petit, mais c'est essentiellement un travail de préparation et d'observation. Et ensuite, on passe beaucoup, beaucoup de temps à attendre en affût, en étant caché. Il y a finalement beaucoup d'endroits dans le monde où on peut filmer la nature sans être caché, sans être à l'affût, comme en Afrique, comme au Mexique ou ailleurs, on l'a déjà fait, mais malheureusement, en Europe, si on veut faire des très très beaux plans d'animaux très proches, etc., on est vraiment obligé de passer beaucoup beaucoup de temps à faire de l'affût, et c'est essentiellement cette technique qui est utilisée en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de voyeurisme dans cela ou pas du tout? Non, pas du tout. Il n'y a pas de voyeurisme. Il y a essentiellement la passion de la nature. Et moi, ça fait 43 ans, 44 ans bientôt que je filme. Quand j'ai commencé à filmer en 1978, je souhaitais vraiment, j'étais atterré de voir les gens qui ne connaissaient pas ce qu'il y avait dans le buisson d'à côté, dans la mare d'à côté, dans la forêt d'à côté. Donc j'avais envie de faire connaître tout ce monde sauvage auprès des gens. Donc c'est ce que je fais depuis toujours. Et c'est vrai que de plus en plus avec les projets comme celui pour lequel avec Michel on a travaillé, j'étais ravi de faire ce film que je rêvais de faire depuis 2009. Je le disais tout à l'heure, les premiers repérages ont été faits voilà très longtemps maintenant. Quand vous avez composé ce film, vous avez en tête un public en particulier. Nous, quand on l'a vu, on s'est dit, c'est un film qui serait bien de le montrer à toute génération, les plus petits et les plus âgés. Mais je voulais vous demander un peu quel était vos... Je sais pas, mais d'habitude quand on filme, ou plutôt quand on compose un film, on a en tête un potentiel public et aussi un peu, et on entre en dialogue avec ce potentiel public. Donc, je voulais vous demander cela. On a essayé d'être le plus large possible. En général, aujourd'hui, quand on se promène dans les belles forêts à côté de chez nous, ben souvent, ce sont les grands-parents qui emmènent les enfants, parce que les parents ont d'autres activités pendant le week-end. Et c'était un petit peu l'idée. C'est un peu, en prenant la main d'un enfant, viens voir ce que moi j'ai appris et c'est une espèce de passation de connaissances, de passation de moments très importants qu'on a vécu jeune, parce que c'est vrai qu'il y a 50 ans, la nature n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et c'est bien, et c'est pas du tout une critique, c'est un constat. Et je trouve que se promener la main dans la main avec les sachants de sa famille, donc les grands-parents, ce sont des moments d'émotion merveilleux. Et on a espéré, nous, en 1h20, offrir ce moment de voyage et de promenade dans une forêt qui n'est pas imaginaire. C'est une belle image, d'autant plus que peut-être les grands-parents ont moins de censure par rapport aux parents, donc ils peuvent même parler d'une scène d'amour, comment en l'occurrence les insectes naissent. Est-ce que vous aviez, et Laurent, est-ce que vous aviez en tête des scènes? Donc je fais référence à ça, mais aussi il y a une scène magnifique de fuite. Donc est-ce que vous avez déjà en tête des scènes, et donc vous avez travaillé votre matériel, vous avez recherché ces scènes, ou c'est plutôt à travers l'observation que ces scènes sont arrivées? Non, en fait, toutes les scènes qui ont été filmées avaient été décrites, avaient été storyboardées et imaginées.
En fait, c'est grâce à la connaissance et grâce aussi au conseil de certains spécialistes qu'on avait travaillé sur le scénario. C'est Michel qui avait beaucoup travaillé sur cette histoire, sur l'écriture, et donc ensuite on avait un storyboard qui permettait aux équipes de pouvoir suivre ce storyboard et essayer de mettre en scène en quelque sorte. Mais comme la plupart des séquences, je les avais déjà connues, enfin, ou observées, du moins. Donc, ça a été assez simple, en fait, de les renouveler, de les fabriquer, assez simple, en y passant évidemment beaucoup de temps. Michel, vous êtes producteur, vous êtes un homme de cinéma, pas seulement, mais si je me trompe, si je ne m'abuse pas, c'est votre premier film comme réalisateur. Donc, quelle était pour vous l'émotion ou les défis de passer derrière la caméra dans une façon métaphorique ou même réelle, je ne sais pas. C'est très curieux parce qu'au départ, quand j'ai rencontré Laurent, j'étais dans ma position de producteur. Et puis au fur et à mesure, en échangeant avec Laurent, nous avons senti notre complémentarité, senti que nous avions deux univers différents, mais avec un commun, un vécu commun très fort. Donc, je pense que Laurent est un des plus grands cinéastes naturalistes que nous avons en Europe, qui est un observateur exceptionnel. Et moi, j'ai eu la chance, dans ma vie de producteur, de rencontrer beaucoup de gens qui racontaient des histoires. Donc, moi, je me suis occupé à passer du côté où on raconte l'histoire et on participe à la manière de raconter l'histoire. Et Laurent a admis, on est rentré dans une espèce de formidable mariage d'idées et de simplicité. Tout était simple. Et pendant, vous savez, 5 ans à deux sur une affaire, en général, il peut y avoir quelques brouilles. Mais non, ça s'est passé d'une façon merveilleuse, comme s'il y avait jamais, comme si on se connaissait depuis toujours, puisqu'on avait les mêmes ressentis, les mêmes émotions connues, vécues avant qu'on se rencontre. Donc, cette complémentarité a donné, moi je trouve ça formidable, un ajout. Donc, l'ajout de chaque talent de chacun. Bon, c'est prétentieux de dire talent, de nos ambitions communes, on va dire, pour ne pas être prétentieux. Très bien, Laurent Charbonnier, Michel Seydoux, merci. Je rappelle aussi que le film, sans doute en France, il va sortir peu après le festival. On espère que dans d'autres pays en Europe, il sera possible de le voir. Sans doute, il sera possible de le voir à Berlin, dans une belle dimanche. Donc encore merci et à très bientôt pour présenter le chêne. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir.